Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire, hey Johnny, comment fais-tu pour avoir des carreaux de chocolat avec la petite veine aussi solide, si tu vois ce que je veux dire? Alors écoute-moi bien, Billy Boy. Tu veux des carreaux de chocolat? Faut que tu manges des carreaux de chocolat, si tu vois ce que je veux dire. Que tu vas venir super cété avec des magnifiques tattes. Bien évidemment, tu viens d'Algérie, c'est ultra important pour le sirop d'arabe, si tu vois ce que je veux dire. Petit test, mes fasteurs, on va tester ce chocolat Milka là, jamais goûté. Et on va tester ce M&M's là, jamais goûté non plus, on va voir ce que ça donne, mes fasteurs. Mais avant ça, plus sérieusement, tous ceux qui n'ont pas encore mis la mise à jour iOS 2023, réveillez-vous. Tous ceux qui pensent que les glucides après 16 heures font grossir. Tous ceux qui croient encore à tous les mythes des années 80 du type 30 grammes de protéines toutes les 3 heures, mais tu peux pas manger tout. Tous ceux qui pensent encore que la fenêtre anaboliste existe. Vous tous là, c'est très simple. Vous allez tous toucher le haut de mon pec sur le haut de la commode et dites-moi si ça fait de la musique, réveillez-vous! Ce qui compte, c'est le total calorique journalier que tu manges le matin, le midi ou le soir. 600 calories restent 600 calories et non, le chocolat ne fait pas grossir. Il n'y a qu'une seule et unique chose qui fait grossir, c'est le surplus calorique. Tu es un être humain de la planète Terre, tu as une balance énergétique et un total calorique de maintenance. Si tu manges en surplus, tu grossis. Si tu manges en déficit, tu maigris. Donc lorsque tu manges un repas sain, équilibré, que tu te termines avec un petit peu de chocolat de temps en temps, tu ne vas pas grossir. Stress, passe en coaching avec moi, je m'occupe de toi personnellement. Bref, on va passer à ce qui nous intéresse vraiment. Bon, mais pasteur, on va commencer avec le Milka gâteau, apparemment max. On va voir ce que ça donne. Bismillah. Eh les frérots, j'ai oublié que j'habitais à Dubaï. Frère, ça fond. Oh lolo, regardez-moi ça, mon pasteur. Bismillah. C'est doux. Doux. 19 sur 20, mention de Sartek, félicitations. Franchement, c'est incroyable. Avec Milka, t'es jamais déçu, frérot. Non, elle est Milka, c'est une tuerie. C'est pas trop barre chocolatée, c'est un peu plus style gâteau. Barre chocolatée M&M's. Oh, ça a l'air d'être une tuerie, bismillah. Franchement, c'est une dinguerie, mes fasteurs. Pas aussi bon que le gâteau Milka. Je lui attribue la note de 18 sur 20. Mention Sartek, félicitations. Au mois de visite, donc, quelle vie, mes fasteurs. Retrouve toute l'approche Fastly Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, OMAD Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site. Vous savez même pas vous doper, tous les dopés du game. On va parler français une bonne fois pour toutes et je vais le dire qu'une seule fois. Le problème, c'est vos produits éclatés, vous n'y connaissez rien. Vous me parlez de quoi? Clenbutérol, Trenbolone. C'est ça le vrai problème. Nous, ici à Dubaï, on a la patate. Regardez-moi ça. Du gros Toblerone, mon frère. Regarde-moi ça. Ce chocolat anabolique. Oh lolo, bismillah. Petit goût de noisette, de caramel. Oh ma vie, sinon, tu as vu qu'on va venir super cété, bien évidemment, avec du sirop d'érable. C'est du sirop d'érable, mais c'est écrit en arabe, Billy Boy. Tu veux exploser musculairement, il faut que tu comprennes qu'il ne sert à rien de s'entraîner 7 jours sur 7 pour brasser de l'air. C'est une question de progression à l'entraînement avec une bonne méthodologie. Je m'entraîne 4 fois par semaine sous format upper-lower ou alors full body, qui sont pour moi les deux formats les plus efficients. À peu près 4 à 5 exercices polyarticulaires de base par séance et à peu près 4 exercices de finition ciblés sur les points faibles que je veux améliorer en y ajoutant du déchet métabolique, de la finition. C'est comme ça que doivent se présenter tes séances. De plus, la meilleure périodisation, la meilleure méthode d'entraînement, c'est le concurrent training qui m'a littéralement fait exploser en tant qu'intermédiaire avancé. C'est incroyable, mais vrai. Oh, tu veux changer de vie en 30 minutes, mon faster? Réserve ton appel téléphonique avec moi. Je vais te changer ta vie à tous les niveaux. Si tu as des questions sur l'OMAD, Hijra, Dubaï, expatriation, structurer ton business, savoir quoi faire dans les années futures, comment commencer à jeûner, quel type d'entraînement tu dois faire, quel budget est-ce qu'il te faut pour t'expatrier aux Émirats Arabes Unis, bref, peu importe le sujet, je vais tout t'expliquer dans un consulting téléphonique. Si vous saviez à quel point je suis fier de vous, vous avez tous envie de vous reprendre en main. OMAD, sport, Hijra, expatriation, business, ça me fait trop plaisir, les frères. Je reçois des centaines
centaines de messages tous les jours. Maintenant que j'ai goûté au bienfait de l'OMAD, de la Hijra, de vivre à Dubaï, wallahi que si je pourrais, je vous prendrais tous sur mon dos avec moi les frères. Mais je peux pas, j'en ai pas la capacité. J'ai déjà tous mes élèves à coacher, je suis toute la journée au téléphone. Mes élèves en coaching sont ma priorité. Ils me payent pour mon temps. Il y a que 24 heures dans une journée. J'ai donc mis en place un service d'appel téléphonique et je vous propose deux choses. Moins 20% sur le service d'appel téléphonique et deuxièmement, je te déduis le prix de l'appel si tu passes en coaching H24/7 ou si tu effectues ta hijra plus tard. Mon fasteur, si t'as envie de t'expatrier aux Émirats Arabes Unis, que tu as un projet, que tu as un budget, contacte-moi, je peux m'occuper de tout de A à Z pour te faciliter grandement ton expatriation.